tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne La Déci Family. Aujourd'hui, je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler d'un thème, ça va être concernant les Indiens. Qu'est-ce que les Indiens de l'Inde pensent de nous qui sommes nés ici et qui sommes ici? Et qu'est-ce qu'ils pensent également de nos parents? Voilà, donc c'est parti. Donc la première chose que les Indiens de là-bas pensent de nous, c'est que nous avons beaucoup d'argent, que nous sommes riches, que nous roulons sur l'or et que franchement l'argent tombe du ciel. C'est la chose qu'ils pensent de nous. Ils pensent que franchement l'argent, que l'argent tombe du ciel, que ici en France, en Europe, on est riche, donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup travailler. En travaillant peu, on gagne beaucoup d'argent pour partir en vacances quand on veut, etc. Écoutez, c'est bien triste de penser ça parce que les gens qui sont ici, nos parents, etc., ont travaillé très très dur et travaillent très très dur pour subvenir à nos besoins. Je vois que quand par exemple on part en Inde, on a souvent des questions du genre « Oui, pourquoi tu m'as pas acheté ce parfum? Pourquoi tu m'as pas acheté cette PlayStation? Et pourquoi pas... » c'est normal parce que nous aussi on travaille dur pour subvenir à nos besoins et... comme eux, ils travaillent dur aussi. La deuxième chose qu'ils pensent, c'est que ici, en étant en France, on renie nos origines, on oublie un peu d'où l'on vient, qu'on n'est pas trop dans la culture, etc. Bah écoutez, c'est le contraire, moi je trouve que non. Moi je trouve que justement ici, en venant ici, on est plus dans la culture parce que on a nos attaches, nos racines et tout là-bas. Et on n'oublie pas du tout d'où l'on vient, on pense toujours à l'Inde, on pense toujours à nos ancêtres, etc. Donc sur ça, je suis pas trop d'accord, voilà. Ils pensent également que les filles d'ici sont beaucoup plus ouvertes que les filles de là-bas. Alors, ça peut être vrai dans certains cas, mais je pense que c'est pas... je suis pas sûre que ce soit vraiment véridique ça, parce que des fois il y a des filles là-bas qui sont aussi très ouvertes et qui sont aussi moins dans la culture et moins dans le côté indien, qui sont beaucoup plus open. Et c'est pas parce qu'elles s'habillent en sari ou qu'elles sont tout le temps couvertes que forcément elles sont plus dans la culture. C'est vrai qu'ici on a plus la possibilité de s'habiller un peu plus ouvert, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on renie nos origines et qu'on n'est pas du tout dans la culture. On garde, voilà, on garde quand même énormément nos valeurs. Ils pensent également qu'on ne parle pas tamoul ici. Quand ils nous entendent parler en tamoul, les gens sont choqués. Ils sont en mode « Ah ouais, tu sais parler tamoul et tout ?» Bah écoute, bah oui, mes parents m'ont appris à parler tamoul et même si je ne parle pas forcément couramment, voilà, on arrive quand même à se débrouiller, on arrive quand même à tenir une conversation en tamoul. Donc ils pensent que les gens qui sont ici, et bah, ils parlent pas forcément le tamoul indien, alors qu'on essaye nous de faire des efforts pour parler tamoul, pour conserver cette langue qui est notre langue d'origine, la langue de nos ancêtres. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.